Salut tout le monde! Alors je m'excuse d'avance pour la luminosité qui commence à se dégrader mais violemment, mais aussi pour le ventilo qui tourne parce que j'ai beaucoup trop chaud. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Shein encore une fois. J'ai l'impression que cet été je suis à donf Shein, mais vu que j'ai retourné plusieurs articles qui ne m'allaient pas, surtout les premières commandes, j'ai du coup eu plein de monnaie dans mon portefeuille Shein et j'en ai profité du coup pour prendre d'autres affaires. Donc en gros oui, clairement cette commande j'ai pas mis ma carte, hein, c'est tous les sous qui me restaient sur le portefeuille Shein, donc c'est assez cool parce que t'as l'impression que c'est gratuit alors que pas du tout, hein. J'ai pas fait une énorme commande mais j'ai pris à peu près un peu de tout. Il me semble qu'il y a une robe, je sais même plus ce que j'ai commandé. Il y a 2-3 leggings ou pantalons leggings, je sais plus. J'ai racheté un t-shirt que j'avais commandé la commande d'avant, mais en une autre couleur parce que je l'avais adoré. Et puis le reste, franchement, je m'en rappelle plus. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc je vais d'abord vous présenter les produits un par un. Et j'essayerai ensuite. Et puis je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Et puis je vous montrerai tout ça à la vidéo pour pas vous perdre. Donc je prends le premier produit, c'est la robe. Donc sur la robe, sur la photo déjà elle était vraiment magnifique. En plus j'ai regardé les commentaires, je crois que j'ai même pas vu un seul commentaire qui était négatif. Donc comment vous dire que je n'ai pas hésité, en plus avec le prix qui n'est toujours pas cher, j'ai vraiment pas hésité du tout. Donc c'est une petite robe blanche avec plein de fleurs roses et de feuilles vertes qui se présente comme ceci. Donc on a des épaules un peu bouffies mais pas trop. Il me semble qu'on voit un tout petit peu aussi les épaules dénudées, mais c'est pareil, c'est pas trop, c'est vraiment sur la moitié. Un tout petit décolleté mais c'est vraiment léger. Et en plus elle m'a l'air d'être ni trop courte ni trop grande. Par contre elle m'a l'air transparente. Mais bon, avec le blanc en général c'est souvent comme ça malheureusement. On peut rien y faire. Donc j'ai hâte de l'essayer parce qu'elle a l'air vraiment magnifique. Comment vous dire que j'en suis vraiment vraiment fan. Elle est vraiment magnifique. Je m'attendais pas à ce point là. Je savais qu'elle allait m'aller mais je pensais vraiment pas à ce point-là. Après, le problème des grosses poitrines comme moi, c'est que je sais pas comment je vais faire avec les bretelles. Pour la vidéo, vous avez pas vu de bretelles parce que je cache ma bretelle sous mes aisselles. Mais on va dire que dans la vie de tous les jours, en fait, je peux pas faire ça. Sinon, en gros, ça ne maintient pas. Donc, j'ai pas envie de me retrouver les seins à l'air. Donc, je sais pas du tout comment faire. D'ailleurs, si vous avez des grosses poitrines et que vous mettez souvent des épaules nues, dites-moi comment vous faites pour cacher en gros bah, les bretelles. Sachant que moi, tout ce qui est le truc qui se colle au sein et qui se resserre, là, non, moi, ça fonctionne pas. Hein. Pareil, les soutifs, j'arrive jamais à en trouver des réglables qui font que on ne voit plus sans que ça maintienne bien, en fait. Donc, bon. Ou alors faut que j'arrive à trouver des soutifs à ma taille avec des bretelles transparentes, ce serait génial. Et puis bah tant pis, on verra une petite lanière transparente, mais c'est mieux que de voir de la couleur. Et pour cette robe, suivant les mensurations, j'ai pris une taille au-dessus. La robe de base, elle était qu'à 10 € et après la remise, elle m'a coûté que 8,43 €. Ensuite, ah oui, c'est le petit short, enfin petit, il a l'air grand, mais c'est un short un peu plissé comme ça. Qui a l'air d'ailleurs bien élastique, donc ça a l'air cool avec, je sais pas du tout ce que ça va donner avec mes formes, mais ça peut être cool. Hein. Il est rose poudré et il a plein de liserés comme ça qui sont plissés, c'est vraiment génial. Et un peu fluffy en haut, non? Donc il peut être très joli à porter, surtout pour cet été. Pareil, j'espère qu'il ne va pas être transparent parce que ça m'a l'air quand même assez fin. Donc go l'essayer! Eh bien, je pensais vraiment que ça allait être joli, mais en fait avec mes formes ça me déforme carrément. J'ai l'impression d'être une grosse patate ambulante, franchement. Si vous avez des formes surtout au niveau du ventre et que du coup bah, vous pouvez pas trop le monter, ça fait vraiment trop
épais en fait, c'est vraiment pas joli, en tout cas pas sur moi, j'ai l'impression que ça me grossit énormément. Et de plus, j'ai l'impression qu'on voyait mon string, donc comment vous dire que non, je pense que le short, celui-là, je vais le ramener. Et c'est dommage parce qu'en plus, il y avait plein de couleurs qui étaient vraiment sympas et sur la photo, c'était vraiment joli. S'il vous intéresse, quand même, il est au prix de 11€ de base, mais vous avez souvent des remises et tout. Et moi, après ma remise, il m'a coûté que 9,27€. Et pour ce short, pour la taille, j'ai pris ma taille, j'ai pas pris au-dessus ni en dessous parce que ça avait l'air déjà assez grand, donc j'ai préféré prendre ma taille. Bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, en plus que ça me va un peu trop grand, je sais pas. Ensuite, un legging. J'ai vu plein de leggings en ce moment là sur Shein avec des fleurs, des motifs, des trucs, et moi je kiffe les leggings. Je me sens tellement à l'aise dedans, c'est comme avec les survettes, enfin je pourrais, bon, les survettes ça fait pas trop habillé, les leggings ça va, ça dépend lesquels, ça fait un peu habillé. Donc cette fois j'ai craqué sur un legging noir mais avec des petites, alors je sais pas, des pâquerettes, je sais pas ce que c'est comme fleurs, mais c'est des petites fleurs blanches. Ça avait l'air vraiment joli sur la mannequin, mais à voir sur moi. Sachant que j'ai pris une taille en dessous, parce que les leggings, chez moi, en fait, faut pas que je prenne trop ma taille. Sinon, au niveau des genoux, ça baille derrière et c'est vraiment pas beau. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des leggings, après ça va bien aux jambes, mais au niveau de la taille, c'est beaucoup trop serré, donc à voir. Bah je suis bien déçue du coup parce que déjà bah en plus il est transparent mais comme je sais pas trop quoi. En plus il me va bien en bas des jambes, bah au niveau des genoux mais au niveau des fesses carrément, le contour des fesses, bah la taille quoi, la taille, le bassin. C'est beaucoup trop serré quoi, mon cul il rentre pas trop, enfin il rentre mais je me sens à l'étroit quoi. Donc c'est mort, je pense que celui-là je vais le rendre comme le short. Et si jamais elle vous intéresse quand même, de base il est à 7€, mais moi après la remise il m'a coûté que 4,22€, donc c'est vraiment pas cher de base pour un legging et c'est vraiment dommage pour moi. Ensuite je vois ce que c'est parce qu'en plus c'est un truc où il n'y a pas de sac Shein. C'est un legging de sport, enfin c'est pas écrit ça sur le site, c'est écrit legging je sais plus trop quoi, mais bon moi je trouve que c'est un legging de sport. Donc il se présente comme ça. Il est noir au-dessus, après il y a des traits blancs et en dessous ça fait des petits... c'est tout blanc avec des petits trous en fait, donc on voit un peu vos jambes. Je trouverais ça vraiment canon, après bon la mannequin pareil est super mince, donc à voir sur des formes ce que ça donne. Au niveau de la taille ça paraît bien serré mais c'est élastane donc je pense que c'est bien pour raffermir le ventre. Donc ouais je pense que c'est plutôt un truc de sport de base, mais bon. A voir par rapport au tissu, mais ça a l'air d'être un tissu qui s'élargit selon la forme, les formes, donc ça a l'air cool. À essayer! Du coup, le legging me va, je suis étonnée car les leggings de soir, c'est vraiment rare quand ça me va. Là franchement nickel, sachant que j'ai pris ma taille habituelle. Non j'ai franchement sur ce sujet rien à dire. Après moi je me plais pas trop en leggings de sport, surtout comme ça. J'essaye quand même parce que bon bah, je trouve ça joli quoi. Après j'arrive pas trop à m'aimer avec. Mais il me va donc je vais le garder et puis je verrai bien si je le porte ou pas. Pour ça là qui ça intéresse, il est au prix de 9€ sur le site, mais moi après ma remise il m'a coûté 7,59€. Donc c'est pareil, c'est pas cher pour un legging de sport. Ensuite, c'est le fameux haut. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo là tout de suite maintenant sur la vidéo du fameux t-shirt, enfin de la fameuse blouse que j'adore et que j'ai voulu recommander en une autre couleur. Du coup, bah, c'est celle-là, mais cette fois, en fait, les couleurs elles se sont inversées au lieu d'être beige ou blanc cassé avec des points noirs. C'est plutôt noir avec des points beige blanc cassé. Il y a les épaules dénudées, pareil, il a l'air un peu oversize, donc nickel. Bah, comme prévu, hein, il me va. Par contre, petit détail qui change, et faudra que je regarde sur l'autre, parce que ça m'avait pas autant choqué sur l'autre, pourtant j'ai pris exactement la même taille.
Sur les manches, juste là, au niveau d'ici qui s'arrête au coude, ça serre mais vachement bien quoi. Alors que sur l'autre, il me semble pas avoir senti cet effet-là. À voir du coup sur l'autre si ça serre autant, mais ça me paraît étonnant. Donc celui-là, je l'ai pris à ma taille et si il vous intéresse, de base il est au prix de 14 € et après ma remise, il m'est revenu à 11,70 €. Ensuite, en fait je pensais pas en avoir pris autant, mais je fais des bonnes affaires. Alors, ah oui, une de mes premières commandes Shein, j'avais commandé un pantalon évasé en bas, un peu pâte d'elfe et avec une ouverture devant, sauf que j'y étais énormément déçue. Enfin, c'est même plus être déçue là, c'était dans l'extrême. J'avais pris ma taille et ça avait l'air d'être 2 à 3 fois trop grand ou en plus de ma taille, c'était hallucinant quoi. Fallait au moins prendre de taille en dessous de sa taille, mais je m'attendais pas à ça quoi. Donc j'ai trouvé un autre pantalon qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Peut-être juste pas la même texture, donc c'est celui-là. C'est exactement le même, hein, avec la même ouverture, le même truc, sauf qu'il est plus serré. Et j'ai pris du coup une taille en dessous, donc j'espère qu'il va m'aller, parce que au niveau de la taille, ça a l'air quand même, comparé à l'autre, ça a l'air quand même plus... moins élastique, quoi. À essayer. Non, ça va, je suis contente, il me va pas à 100%, mais bon, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de pantalon, mais il me va au niveau des jambes, la taille ça sert un tout petit peu, mais ça me comprime pas non plus. Ça fait de super belles fesses et de super belles cuisses parce que ça maintient bien les cuisses et ça, et du coup ça fait un effet grande jambe vu qu'après il y a les pales d'elfes et du coup bah j'aime bien. Et en plus de ça, ils l'ont pas fait trop grand. C'est-à-dire que pieds nus, oui, le pantalon touche un peu le sol, mais avec des talons, il ne touche carrément plus le sol. Alors que l'autre, justement, même avec des talons, pourtant je mettais des talons comme as, ça touchait quand même le sol. Donc celui-là, je le garde, je le mets de côté au cas où. Pour ceux à qui ça intéresse, il est au prix de 12 € et il m'est revenu à 10,11 € après la remise. Ensuite... je vois ce que c'est sur la photo, c'était vraiment beau. C'est un enfin, moi je pensais que c'était un legging, mais quand je l'ai reçu, j'ai regardé le nom et tout, et en fait c'était écrit pantalon. Donc on va dire pantalon legging. Il est tout blanc comme ça, avec des petits motifs fleurs, un peu de toutes les couleurs, violet, rose, gris. C'est vraiment pas mal. Ça m'a l'air par contre un peu transparent, donc à voir s'il faut porter un string en microfibre, je vais y arriver, beige, pour essayer de ne pas voir. Et en plus j'ai pris ma taille en dessous, j'ai pris une taille en dessous. Donc à essayer, mais j'espère qu'il va m'aller parce que j'ai vu même plein de photos de Nana en commentaire et ça avait l'air vraiment cool. Et oui, il me va, il est super génial, il est trop bien. Il est bien transparent, mais bon là j'avais pas la culotte adéquate. Mais il est vraiment vraiment génial. Juste un tout petit chouïa serré au niveau de la taille, mais bon comme vous le savez j'aime bien être à l'aise au niveau du tour du bidon. Hein. Et là bah, je le suis pas trop, mais bon, c'est pas non plus trop gênant. Et pour celle à qui ça intéresse, de base, il est à 10 € et il m'est revenu à 8,43 € après la remise. Donc je suis contente. Après... enfin, vraiment que je fasse un tri dans mes affaires, moi, parce que je commence à en avoir trop. Ah oui, je l'attendais mais tellement celui-là. Mais bon, c'est pas pour tout de suite maintenant, hein. C'est un truc que j'aimerais bien porter d'ici l'automne, hiver. Parce que j'aime bien les trucs qui serrent un peu au niveau de la poitrine, j'aime bien les manches longues, évasées et tout. Enfin, et j'ai trouvé un beau haut comme ça, avec les manches évasées,
et des petits liserés blancs. Et en plus de ça, donc ça maintient bien la poitrine, et en dessous de la poitrine, ça fait un effet évasé aussi pour pas qu'on voie trop les formes au niveau du ventre, etc. Donc non, franchement, je le voulais absolument, quoi. Donc je l'ai acheté, même si je le mettrai que dans un mois ou deux, voire même deux, parce que vu comment il fait chaud, je pense que même 10 septembre il fera chaud. J'étais déçue et j'ai peur quand même au niveau du porté, parce que je voulais le commander à ma taille, parce que de base sa taille assez grand, sauf qu'il n'y en avait plus du tout, mais je vous délais tellement que j'ai même pas attendu, j'ai pris une taille au dessus. Oh, donc ça risque d'être soit trop grand, soit deux fois trop grand, je sais pas ce que ça va donner, donc j'espère que ça va m'aller. Go essayer. Et ben étonnamment ça va, ça me va, c'est un peu trop grand en effet, même pas qu'un peu, mais j'aime bien quand c'est assez large et c'est pas non plus trop moche, donc non franchement j'adore. Donc celles et ceux à qui, enfin celles et ceux, donc celles à qui ça intéresse, de base il est au prix de 12€, mais moi après ma remise il m'est revenu à 10,14€, donc je suis trop contente comme d'habitude. Et pour finir, ah oui, oh là là, j'espère tellement qu'elle va m'aller. C'est une jupe avec un gros nœud devant et franchement, même sur la fille qui a l'air d'avoir quand même de belles rondeurs, c'était vraiment super beau et super sexy. Et enfin, je sais pas, je vous mets la photo de toute façon comme d'habitude et vous allez voir ce que je veux dire. Alors, c'est quoi ça? Ah ok, donc en fait ouais, on la porte comme ça, ensuite il y a un nœud là et un gros nœud là, et il faut faire le nœud devant comme ça. Par contre, alors le tissu il est vraiment pourri, c'est le genre de tissu que je pense que t'as beau repasser, ça repasse pas. Donc ça par contre c'est un moins, un gros moins même, donc à voir, à l'essayage. Je flippe un peu quand même sur la robe, c'est dommage parce que je crois que c'est celle que j'attendais le plus aussi, sur la robe, sur la jupe. Sachant qu'en plus j'ai pris ma taille. Donc avec les mensurations sur le site, j'espère que ça ira. Du coup la jupe, alors elle me va. J'aurais voulu une taille au-dessus quand même. Après c'est une jupe qui se taille haute, je sais que j'ai pas du tout l'habitude, donc à voir. Mais je pense, je sais pas trop quoi en penser, dites-moi en commentaire vous si vous l'aimez bien ou pas. Je pense que je vais attendre un peu et je vais voir si je la retourne ou pas du tout, parce que je sais pas trop quoi en penser en fait. Et celle-là qui ça intéresse, de base elle est au prix de 9€, et après ma remise, moi elle m'est arrivée à 7,59€. Et voilà, je pense que oui, j'ai tout terminé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel article vous avez préféré. Pour ma part, j'ai vachement aimé la blouse avec les manches évasées qui étaient un peu grandes, mais qui me va bien. Et puis la robe, il n'y en a rien à dire, je crois que c'est celle qui est au-dessus, quoi. Elle est vraiment sublime, quoi. J'ai même mon conjoint, quand il m'a vu avec la robe, il m'a fait des gros yeux en mode « Waouh, t'es qui, toi ?» Donc non, ça va, globalement, je suis assez satisfaite. Je m'attendais à mieux pour certains articles, surtout la jupe, parce que j'étais vraiment impatiente de la voir, quoi. Et en fait, j'en suis vachement déçue. Je sais toujours pas ce que je vais en faire, en fait. Si je la garde, si je la garde pas. Je vais l'essayer avec d'autres hauts pour voir si ça va. Donc je réfléchis, puis je verrai bien. Si jamais les articles vous intéressent, ne vous inquiétez pas, ne fouillez pas. Vous avez juste à dérouler la barre d'infos qui est juste en dessous, la petite flèche, là. Et vous regardez, hein, j'ai mis toute la liste des fringues avec le lien. La vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. Et pour les nouveaux, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Moi, ça me fera toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say to me now.